Shalom les amis, bonne fin d'après-midi à tous et à toutes. Au Rachel, on peut voler un peu de temps pour étudier. Rabbeinu. Alors, Bezrat Hashem, on fait le cours pour la délivrance. Pour la délivrance des otages immédiats, la protection des soldats. Bezrat Hashem de Tzahal. La réussite, la fin de la guerre. Enfin, toutes les guerres. Toutes les guerres. Pour l'extermination d'Amalek sous toutes ses formes. Shalom, bon après-midi à tous et à toutes. Au Rachel, on peut prendre un peu de temps. D'accord. On va étudier. Alors, Bezrat Hashem. C'est bien. On fait le cours sur la. Ça marche pas, au Rachel. Le four Shlema pour Hana Chassiba Bat Perla. Mais son prospère de Chassiba Esther Bat Rachel David Yarko Ben Perla. Noah Bat Candice Livna. Adel Myriam Bat Perla. Besha'a Tova. Ayala Sarah Bat Perla, Orna Eleni Bat Chen Chana, Moshe Yosef Ben Rachel, Nicole Bat Marguerite, Esther Bat Fortuné, Rachel Bat Esther, André Meyer Ben Rachel, Janine Ahasa Bat Madeleine Megduda, Nathalie Rachel Bat Sarah Valeria El Chana Bat Janine Ad. Patrice Karika, Madeleine Badjanin Adassa, Raquel Stéphanie Badjanin Adassa, Vigail Batester, Lucien Dvora Bat Rosa, Benjamin Ben Lucien Dvora, David Ben Lucien Dvora, Léa Bat Adassa Rachel, Maxence Ben Sabrina Florence, Martine Léa Bat Sara Rivka, Ariela Malka Batrana Jania Evgenia Michel Ruben Yosef Ben Chaya Jana Evgenia. Pour l'élévation, le repos de l'homme, de l'attention de tous ceux qui ont été assassinés le jour de Sifatoran. Tous les soldats de Tzahal qui sont tombés au front. Shilo ben David, Chaim ben Abraham, Patrick Nathan, David ben Mazal Tov, Lydie Léa bat Sarah, David ben Sarah, Eva bat Habiba, Yitzhak ben Daniel Beil, Yadosino Lamas da Silvia ben Abraham, Pinchas ben Lyon, Eliaou Feizige bat Zanif Nazife, Julien Terzix, Marcel Messaouda Tzoura bat Simcha, Reuven, José Arouch, Yoel Merciano, Sassi Ben Mathilde, Mazalto, Batrananon, Mefraï Ben Yaakov, Cohen, Benjamin Ben Shimon, Perez Ben Zina, Jordiora, Bat Jamila, Elisa de Concezio, Dos Santos Reis, Bat Antonia, Dvoranoa, Bat Corina, Yalam, Ben Rose, Yitzhak Ben Frida, Daniel, Lionel Ben Avram, Desta, Bat Avriat, Huguet Simcha, Bat Julia, Yosef Ben Yaakov, Frima, Michael Klein, pour la Tzlacha. La bracha de Liv, Valérie et Mouna, la vie Abraham, Netanel, Yitzhak, Ben Rachel, Laurent, Yaakov, Ben Sarah et David. Bracha, Ben Maïsa, Ton Eliyahu, Ben Maïsa, Karoni, Sarah, Bat Maïsa. Simcha, Bat Rivka, Gil, Ben Myriam, Simcha, Bat Esther. Efo, Shlema, Pleura, Besançon, Israël, Yitzhak, Ben Fortuné, Mordechai, Ben Fortuné, Corona, Yala, Bat Rachel. Chaim, Akiva, Ben Neli, David, Raphaël, Ben Mesoda, Cohen, Yehuda, Ben Simi, Sandrine, Bat Janine. בצלאל בן פטריסיה, רחל, משה רפאל בן חסיבה, לוי, נטלי אסתר בת מסעודה, יעל לונה בת סוזן מזל, אלכסנדר דוד בן לאה, לאה שמחה בת חנה, דוד בן קולט דוניז, שלום בן פרג'י בן אסתיר, רובי חיים בן רוזלי, פורטוני בת אסתר, קנזה אסתר בת אליס מג'ה, שמעון בן מסודי, שמואל בן לימור, יונתן בן ולרי אביבה, שמעון מאיר בן מרסדס מנוחה שמחה, Shmuel Ben Sophie Esther Bernheim, Bruyel Esther Bat Janine Nina, Ariela Malka Bat Chaya, Jana Evgenia, Rivka Bat Esther Seli. Pour un accouchement facile pour les Shiva Shulamit Rachela Bat Sira. Alors, Bezrat Hashem, on continue dans notre étude sur Elul. Et
Alors ça, c'est des paroles de Rabbeinu. Et dans ce livre-là, donc, que je vous ai montré, qui s'appelle « Orazmanim », qui est un livre entièrement sur Elul, qui est un livre de 600 pages uniquement sur Elul, ils ont commencé par ce passage que la grandeur de ceux qui se rapprochent de Rabbeinu. Trauma, pour finaliser le Mishkan, le Mishkan, c'est le cœur de tous les cordonniers francophones dans le monde. Les amis investissent pour l'éternité. Avant 21 jours, avant Oman Rosh Hashanah, la pression monte. Oh, Hazak, Hazak, Aon, Gatzlacha. Donc, ils ont mis au début, ils ont parlé de ça, de la grandeur de ceux qui se rapprochent de Rabbeinu. Avant de parler de tchouva, de quoi que ce soit qui concerne la tchouva, ils ont parlé de ça, parce qu'en fait, tout dépend de ça. C'est-à-dire que maintenant, une fois qu'on va être conscient de la capacité que Rabbi Nachman il a de réparer et de nous faire progresser, alors après, on va déduire de ça qu'est-ce qu'il faut faire. C'est-à-dire, une fois qu'on va comprendre qu'est-ce que il représente, Rabbi Nachman. Le problème, et je parlais avec quelqu'un hier, le problème principal qu'il y a dans Breslev, c'est que comme Rabbi Nachman, c'est un chidouche, c'est-à-dire c'est quelqu'un, c'est un être exceptionnel, qu'il n'y a jamais eu quelqu'un comme lui dans le monde. Il n'y a pas de référentiel. Donc c'est ça qui est difficile, parce qu'on ne sait pas qui c'est. On ne peut pas savoir qui c'est. On ne saura jamais qui c'est. Parce que pour savoir quelque chose, il faut qu'il y ait quelque chose dans le monde qui ressemble à ça. Si je vous dis une clé, alors elle est grande, elle est petite, elle est comme ci, elle est comme ça. Ok, mais on sait de quoi on parle. Je vous dis un oiseau. Ok, même s'il est grand, même s'il est grand. Mais j'ai vu un oiseau déjà. Je sais ce que c'est. Mais Rabbi Nachman, c'est un pélé. C'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un de normal. Donc, il n'y a pas de référence. Donc, en fait, on essaye tout le temps de se rapprocher de lui, de faire ce qu'il nous dit de faire et tout. Mais on ne peut pas le connaître. C'est ça le problème principal. Alors maintenant, comme les gens, la plupart des gens, ils ont besoin de référentiels. Ils ne peuvent pas vivre sans référence. Donc ils vont essayer de comparer à quelque chose. Ils vont dire, il est grand comment ? Comme ça, comme ça, comme celui-là, comme c'est quoi ? Et Rabbi Nachman, il dit non, je ne suis pas grand comme, il n'y a personne qui me ressemble. Depuis la création du monde, il n'y a jamais eu personne comme moi dans le monde. Donc ce n'est pas la peine de chercher un référentiel, parce que c'est dommage, vous allez vous perdre. Vous allez réduire comme je vous ai dit, je ne sais pas si je vous l'ai dit ici ou... Mais une fois, il y avait des élèves qui sont venus. Alors il y a un élève, c'était des nouveaux élèves. Alors il y a un qui a dit, ah, Rabbi Nachman, il est grand comme Moshe Rabbeinu. Et un autre, il dit, bon, je ne dirais pas comme Moshe Rabbeinu, je dis comme le plus grand Tana du Talmud. S'il avait été à l'époque du Talmud, il aurait été parmi les plus grands Tanaïm. Alors, quand ils sont arrivés chez Rabbi Nachman, il a dit à celui-là, qui a dit, il serait comme l'un des plus grands Tanaïm, il lui dit, si tu crois pas en moi, pourquoi tu viens chez moi? C'est-à-dire que maintenant, du moment où il l'a considéré comme ça, alors il dit, qu'est-ce que tu viens chez moi? Des gens comme ça, il y en a, ne viens pas chez moi. Si maintenant on vous présente le plus grand spécialiste mondial de quelque chose, quelqu'un qui n'a pas d'enfant par exemple, ça fait 10 ans, il essaye d'avoir des enfants, il n'a pas. Il dit, je vais vous présenter le plus grand spécialiste mondial de ça. Il a déjà réussi des centaines de cas, etc. Mais maintenant, si vous venez chez lui comme un généraliste, alors il va vous dire, pourquoi vous venez chez moi? Vous pensez que je suis un généraliste? Ne venez pas chez moi, il y en a plein de généralistes, et même plus que des généralistes. C'est comme ça que vous me considérez. Donc c'est fondamental, et je vous le répète tout le temps, je vous le répéterai Bezrat Hashem tout le temps, c'est fondamental de savoir à qui on a affaire pour pouvoir obtenir des choses, pour pouvoir avancer. Parce que si vous ne savez pas qui c'est Rabbi Nachman,
vous n'allez pas prendre ce qu'il y a à prendre chez, chez lui. Vous allez venir chercher chez lui des brachot pour la parnassa. Okay, mais ce n'est pas ça, Rabbi Nachman. Ce n'est pas la peine de venir ici pour ça. Il y a des centaines de sadikim qui peuvent vous donner la parnassa. Les ivougim, la santé, un appartement, que vous n'ayez pas de problème avec vos parents ou avec vos enfants ou avec votre conjoint ou avec vos voisins ou la paix en Israël. Il y a des centaines de tzadikim qui peuvent faire ça. Ce n'est pas la peine de venir ici pour ça. Si on vient pour ça ici, ce n'est pas la peine. C'est dommage, le voyage, ça coûte cher, c'est fatigant et tout. Ça ne sert à rien. Ce n'est pas pour ça qu'on vient ici. On vient chez un tzadik qu'on ne connaît pas, qu'on ne peut pas attraper. Mais par contre, ce qu'on sait de lui, c'est ce qu'il est capable de faire. Ça, on sait parce que c'est lui qui nous l'a dit. Alors, il dit, voilà, moi, je te prends en charge, je te répare, je te garantis que tu ne quitteras pas ce monde sans que je t'ai réparé complètement, sans que je t'ai optimisé, sans que j'ai réparé tes parents, tes grands-parents, tout jusqu'au premier homme, et sans que je t'ai fait réussir ton projet de venir sur Terre depuis ta création, avant la création du monde. Voilà, ça, je te le garantis. Voilà, ça, on sait. Pourquoi ? Parce que c'est lui qui nous l'a dit. Mais qui c'est, lui ? On ne sait pas qui c'est. On ne sait pas qui c'est. Pas la peine de comparer, parce qu'on ne sait pas qui c'est. Et on ne saura jamais qui c'est. Et Rabbi Nathan il dit, on ne peut pas savoir qui c'est. Et ses enseignements aussi, on sait pas, on comprend rien dans ses enseignements. Tout ce qu'on dit, c'est des approches très, très, très loin. Comme il dit Avraham Ben Nachman, elle veuille que je comprenne une parole de Rabbi Nachman, une parole profane de Rabbi Nachman, 10 000 ans après la résurrection des morts. Une parole profane de Rabbi Nachman, pas de la Torah, juste quand il parle de choses profanes. 10 000 ans après la résurrection des morts. Donc, on voit dans son enseignement, c'est pas quelque chose qu'on peut comprendre. Lui, ce n'est pas quelqu'un qu'on peut comprendre. Alors comment il faut faire avec ? Quelle est l'attitude à avoir ? L'attitude à avoir, c'est une attitude de connexion. C'est pour ça qu'on appelle « itkashrut », on appelle s'attacher, aimer. Il faut l'aimer, c'est tout. C'est la seule façon que vous allez pouvoir vous rapprocher de lui. Si vous l'aimez, vous allez pouvoir vous rapprocher de lui. Mais n'essayez pas de comprendre parce que vous ne comprendrez jamais, même pas le milliardième de qui c'est. Parce qu'il n'y a personne qui l'a compris. Et lui-même, il a dit, il n'y a aucun des tzadikim qui l'a jamais compris. Il y en a qui l'ont respecté, il y en a qui se sont opposés. Mais comprendre Rabbi Nachman, il n'y a personne qui peut le comprendre. Donc ça, vous voyez, si vous ne savez pas ça, alors vous ne savez pas ce que c'est Breslev. Parce que vous croyez que Breslev, c'est un groupe de chassidim. D'abord, Breslev, ce n'est pas des chassidim. Rabbeinu l'a dit, moi, ce n'est pas une chassidoute, Breslev. Ce n'est pas des chassidim. Maintenant, on est tombé dans l'époque où ce qui était le mode de fonctionnement, c'était le chassidisme. Alors, on est rentré dans ça. Mais Rabbi Nachman, ce n'est pas du chassidisme. Rabbi Nachman, il n'a pas des groupes de gens. Rabbi Nachman, il s'occupe, il a dit, moi, chacun qui vient chez moi, j'ai que des cas particuliers. Moi, je ne m'occupe jamais de groupes. Il n'y a pas de groupe chez moi. Quand tu viens chez moi, c'est que je t'ai appelé à toi. Pas à ma copine et celle-là et l'autre et on est venus ensemble. Non, non, non. C'est une convocation personnelle. Ça, il faut savoir aussi. Que Rabbi Nachman, ce n'est pas des thérapies de groupe. Il n'y a pas de thérapie de groupe. C'est seul. Il vous a suivi, il vous connaît depuis de cette vie, des vies antérieures, jusqu'à votre âme, du moment où elle a été créée par Dieu. Depuis ce moment-là jusqu'à aujourd'hui, il vous connaît parfaitement. Il sait tout ce que vous avez passé. Et il sait où vous devez arriver et il va vous prendre en charge et vous amener là où vous devez arriver. Donc là, vous pouvez poser les valises. Vous voyez ? L'attitude avec Rabbi Nachman, c'est pas qu'est-ce que je vais faire, il n'y a rien à faire. Pose tes valises, c'est tout. Pose. Ça y est, tu as fini. Quand tu arrives chez Rabbi Nachman, c'est fini.
n'y a rien à faire. Non, mais attends, qu'est-ce qu'il faut? Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien. Tu veux faire des choses, fais des choses. Mais ça n'a rien à voir avec ce que tu vas faire. Ce que lui va faire pour toi, ça n'a rien à voir avec ce que tu vas faire. Tu vas faire un peu, tu vas faire beaucoup. C'est pas ça qui va changer. Tu l'écoutes, tu suis le traitement. Tu dis voilà, fais ça. Fais de Bodedou, tu connais la vie. Surtout sois Bessimcha tout le temps. Surtout sois Bessimcha. Surtout sois Bessimcha tout le temps, il faut que tu sois joyeuse tout le temps, tout le temps. Ça fait très attention à ça. Il te donne des conseils, il te dit voilà, ça fait, ça ne fait pas. Mais ce n'est pas une construction personnelle, vous voyez. Quand vous allez arriver dans n'importe quel groupe qui est dans le monde ou n'importe quelle tendance ou autre, vous avez une structure, vous avez des programmes et vous allez vous lancer là-dedans, vous allez arriver avec du travail, vous allez arriver à avoir des bonnes notes, réussir vos années, avoir un truc avec mention, etc. Le système, il donne la réussite. Ici, il n'y a pas de réussite, parce que ça y est, on a terminé déjà. Quand on vient ici, quand on est avec Rabbi Nachman, qu'on vit avec lui, qu'on l'aime, on se sent attaché à lui, on vit tout le temps avec lui, on a terminé, ça y est, on n'a pas de... C'est pas dépendant de... Si on va arriver à faire des choses, arriver à ne pas faire des choses, ce n'est pas ça qui est important. Donc maintenant, comme on ne le connaît pas, quand il nous annonce des choses, c'est après on doit laisser, c'est tout. Il n'y a pas le choix, parce qu'on ne peut pas discuter. On peut discuter si vous connaissez, mais vous connaissez pas. Il n'y a pas à discuter. Ou vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord. Vous faites ce que vous voulez, c'est tout. Vous êtes libre, il n'oblige personne. Chacun fait ce qu'il veut, il n'y a pas de problème. Mais du moment où vous attachez, vous aimez, alors vous êtes branché. Et votre degré d'attachement, c'est ça qui vous donne le degré de rapidité et d'optimisation, de réparation. Plus vous serez attaché, plus vous allez l'aimer, plus ça va aller vite. Et ça va aller bien. Ça va se passer bien et vite. Moins, ça prendra plus de temps. Mais ça, ce sont des garanties que lui donne. Donc c'est de là où on peut savoir. Bénédiction du Québec pour avoir un bel Ola. C'est gentil, Philippe, c'est gentil. Je te bénis. Voilà, comme tu dis Jean-Luc, on mangeait des fruits, on ne prêtait pas attention aux vêtements, on porte ce que l'on porte, le baltfila. Raza, quoi, le baltfila. Merci les amis, merci. Donc, bien que maintenant, les gens qui vont entendre les cours, des cours comme ça, ils vont prendre pour un fou, c'est-à-dire qu'ils vont dire, non mais c'est quoi ça, c'est pas sérieux, c'est quoi ça? C'est quoi? C'est de la vodazara, c'est de la truc. Il y a toutes sortes de choses. Non, on peut même pas s'asseoir, discuter. On peut pas discuter. Maintenant, quelqu'un dit, ouais, mais moi je suis pas d'accord avec Breslin. Ok, sois pas d'accord. Non, mais explique-moi, je peux rien t'expliquer. Je ne peux pas t'expliquer. Il n'y a rien à expliquer. C'est apprendre, on doit laisser comme tu fais, comme tu veux. C'est tout. Tu as envie, tu n'as pas envie, c'est tout. Quand vous aimez quelqu'un, il dit, mais comment tu aimes cette personne-là? Je ne peux pas t'expliquer comment. Ça veut dire comment? Je ne sais pas. Non, mais qu'est-ce qui fait que tu aimes cette personne? Je ne sais pas. J'aime cette personne-là, c'est tout. J'aime ça. Quelqu'un, il aime manger des abricots, d'accord? Mais pourquoi tu aimes manger des abricots? Je ne peux pas te dire. Quand je mange de l'abricot, j'aime, c'est tout. Non, mais moi, je n'aime pas. Comment tu fais, toi, pour aimer? Je ne sais pas. Et comme toi, tu n'aimes pas. Je ne sais pas aussi pourquoi tu n'aimes pas. J'en sais rien. On ne peut pas parler de ça. Donc, il n'y a pas ce genre de débat, vous voyez, dans Breslev. Quand des gens, ils viennent, on laisse, c'est tout.
De toute façon, tout le monde va devenir Breslev, Rabbi Nachman il a dit. Donc c'est une question de temps, c'est tout. Même vous voyez des gens qui disent « Ah non, moi, là, là, problème. » Tranquille, tu vas venir, tu verras. Tu vas venir. Même l'arrière-petit-fils du Rav qui a fait toute la guerre contre Rabbeinu et tout, le Rav qui a fait tout ce qu'il a fait, qui voulait tuer Rabbi Nathan et tout, son arrière-petit-fils, il vient ici à Rosh Hashanah. Tout le monde va devenir Breslev. C'est pas parce que c'est un parti politique, c'est parce que Rabbi Nachman, il a déjà acquis la réparation du monde. C'est quelque chose qui est dans sa poche déjà. C'est juste maintenant la réalisation. Mais c'est déjà fait. C'est-à-dire que maintenant, auprès d'Hachem, et la méthode qu'il a amenée, c'est réglé. Le monde est réparé déjà. Maintenant, ça se met en place. Comme maintenant, quelqu'un qui est malade, il prend un traitement, ok, ça va mettre 3 jours ou 2 semaines, c'est tout. Après, il ne va pas guérir dans l'heure qui suit. Mais ça y est, il a amené des outils. Et le principal des outils, c'est lui. C'est pas ce qu'il nous dit de faire. Comme il dit Rabbi Nathan, c'est ici, le médecin, il est plus grand que le médicament. Et ça, c'est difficile parce qu'il y a des gens qui sont habitués à prendre le médicament sans le médecin. Si vous allez voir un médecin, il vous donne un traitement pour l'urticaire ou je sais pas quoi. Ok, vous n'allez pas vous marier avec le médecin parce qu'il vous a donné un médicament. C'est le médicament. Ok, je prends le traitement et c'est tout. Non, ici non. Ici le traitement il est secondaire. Le principal c'est le médecin, parce que le médecin il peut tout utiliser comme traitement. Il n'a pas besoin de... Vous voyez, une fois, il y avait un Américain qui est venu ici à Oshana, il y a quelques années, une dizaine d'années, je ne sais pas, une quinzaine d'années. Et il a décidé qu'il va arrêter de fumer. Il a dit, voilà, j'arrive à Oman, à Oshana, j'arrête de fumer. Il arrive sur la tombe de Rabbi Nachman, Oshana, il dit, Rabbi, je fais le neder, ça y est, j'arrête de fumer. Ok, il passe Rosh Hashanah, tout ça, il s'en va. Il arrive à Kiev, à l'aéroport. Et maintenant, à l'époque, c'était à Kiev. Il ne peut pas tenir, il n'arrive pas. Il n'arrive pas, il a envie de fumer, il ne peut pas. Alors, il voit un Ukrainien là-bas, quelqu'un, il dit, excuse me, vous ne pouvez pas me donner une cigarette et tout. Alors l'Ukrainien, il lui répond en anglais, il lui dit, mais tu n'as pas promis de plus fumer? Alors, il a compris que la prise en charge, elle n'est pas limitée au cabinet de consultation, que ça va beaucoup plus loin, que le cabinet, en fait, il est allé sur toute la planète. Et des gens aussi, je ne sais pas, en Amérique, je crois. Hein. Je crois des gens en Amérique, des gens qui ont l'habitude, ils écoutent le cours tous les jours, le soir, quand ils prennent le repas familial ensemble, hein, ils écoutent un des cours de la journée. Des années comme ça. Et un jour, ils ont commencé à écouter des cours de, je ne sais pas quoi, pas de Torah, des cours de je ne sais pas de quel... Alors, le monsieur, il m'a écrit, il m'a dit, vous savez, je suis quelqu'un de très cartésien, je ne suis pas mystique, mais il a dit, je vous promets, et ma femme, vos enfants, mes enfants, ils vous diront, que quand on était en train d'écouter le cours de je ne sais pas quel truc d'université, vous êtes apparu à l'écran et vous nous avez dit, qu'est-ce que vous faites là? Alors, ils m'ont dit, je vous promets, je ne suis pas un planeur, je ne me drogue pas, je ne bois pas d'alcool, je suis quelqu'un de très carré, des trucs, et je vous promets, on était tous sidérés, on était toute la famille comme ça. Pourquoi je vous raconte ça? Parce que Rabbi Nachman, il n'y a pas de limite d'intervention, vous comprenez? Ne croyez pas qu'il a un problème de moyens, il n'a pas un problème de moyens. Donc, avancez à votre rythme, faites ce que vous pouvez faire, et surtout soyez joyeux.
parce qu'il y a quelqu'un qui s'occupe de vous. Et pas quelqu'un qui vous dit « je vais m'occuper » ou « je vais… » Quelqu'un qui donne des garanties. Et qui, comme il a dit, « jamais Hachem ne m'a pris quelqu'un de ce monde tant que je n'ai pas fini de le réparer. » Jamais. Jamais. Jamais il y a quelqu'un qui s'est rapproché de Rabbeinu et qui est « Chas v'Shalom Niftar » avant d'avoir eu son tikkun. Ah, tranquille, il faut être tranquille. Il ne faut pas se faire de soucis. Il y a tous les moyens. Il peut utiliser tout. La nourriture, tous les moyens de communication, tous les lieux, tout ce qui se passe partout. Tout est géré. Tout devient un moyen de guérison, de réparation, de rapprochement. Vous voyez, donc, c'est autre chose. C'est autre chose. Il faut le préciser parce que les gens, ils ne savent pas ce que c'est. Les gens, ils ont l'habitude d'autre chose. Ils ont l'habitude de systèmes où il y a beaucoup de participation personnelle, beaucoup d'engagement personnel. Ici, ce n'est pas comme ça que ça marche. Ici, l'engagement, c'est lui, c'est tout. C'est s'attacher à lui. Et après, vous allez voir l'effet dans votre vie. Après, vous faites des rencontres, des choses. Après, vous passez dans un niveau d'agencement des choses. Vous ne faites plus rien après. Vous voyez, vous rencontrez des gens. Ça va s'ouvrir là. Vous allez avoir un truc ici. Voilà. Nous aussi, quand on a commencé le Mishkan, on n'avait rien. Et on a toujours rien. Et vous voyez, l'immeuble, il est là. Mais on n'a rien. On n'est pas des gens qui rentrent d'argent, on n'a rien du tout. On est des gens très simples, on n'a rien du tout. Mais ça, il fallait le faire, c'est tout. On va faire ça, il faut un centre francophone à Ouman. On ne peut pas, c'est tout, il le faut, c'est tout. On l'a fait. Mais les moyens, mais on peut écrire un livre de centaines de pages pour vous raconter comment ça s'est fait. Même les gens qui travaillent ici, mettent tous les gens qui travaillent ici, c'est des gens qui arrivent, qui ne sont pas... Eux-mêmes, ils ne comprennent pas comment ils sont là. Eux-mêmes, ils ne comprennent pas pourquoi ils aiment tellement cet endroit. Ils sont tellement engagés dans le travail. Ils veulent que ça soit impeccable, ils veulent que ça soit bien. Ils ne supportent pas quand il y a des gens qui viennent qui prennent trop cher. Ils disent, mais non, pourquoi ils prennent tellement cher? Ils sont engagés comme si c'était... Ils mettent tout leur cœur ici. Et ça, eux, ils ne savent même pas pourquoi. Comprennent pas. Mais c'est une réalité. Vous les voyez, les gens, ils s'occupent ici comme si c'est leur maison, la même chose. Ils restent, il n'y a pas d'heure, vous allez les voir à 10h du soir, ils sont là, au moins 6h, ils doivent partir. Il n'y a pas. Il faut faire ça, il faut le truc et tout. Sans dire, vous avez même besoin de leur dire. Ce sont des choses qui sont au-dessus de toute compréhension logique. Et personne n'a ça ici, même tous les gens ici autour, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas, parce que nous, d'abord, on n'a pas d'argent, en plus, on ne connaît rien dans la construction. C'est un monde, la construction. C'est construire, agencer, non, c'était un monde, on ne connaît rien. Mais, pas besoin de savoir. Vous savez, au Mishkan, les gens qui travaillaient au Mishkan, vous croyez qu'ils savaient des choses? Les gens qui rentraient travailler au Mishkan, les femmes qui tissaient, vous croyez que c'est des gens, ils ont été dans des cours pour apprendre à tisser? Jamais. Ils avaient ce qu'on appelle la chokhmat lev, la sagesse du cœur. C'est-à-dire, tu veux faire ça, tu te branches et tu fais, c'est tout. Et tu as la chokhmat du cœur. Tu vas recevoir la sagesse dans ton cœur, comment on fait ça? Alors que le monde entier, il vous dit, il vous faut une formation. Il faut une formation, il faut apprendre, pas besoin d'apprendre. Il y a la connexion, le téléchargement. Vous voyez aujourd'hui dans Google, vous allez télécharger, dire voilà, mon téléphone, je veux le truc, le réinitialiser, ou ça ne marche pas, et tout. Vous avez des milliers de réponses. Et c'est gratuit, des gens qui mettent les réponses gratuites.
Vous n'allez pas apprendre tout ça. Vous n'allez pas apprendre comment on formate un téléphone. Vous n'avez pas besoin de le savoir. Le moment où vous en avez besoin, vous posez la question, vous avez mille réponses. Donc vous n'avez pas besoin de savoir. La sagesse, c'est la même chose. De tout, la connaissance de tout, c'est pareil. Rabbi Nachman, il vous enseigne à le téléchargement par connexion. Vous branchez, vous allez savoir des choses. Vous allez apprendre. Au moment où vous aurez besoin. Normalement, le monde, il aurait dû fonctionner comme ça. Mais comme Adam Arishon et Chava, ils ont mangé, alors ça a inversé le monde. Tout ça, c'était pour l'orgueil de savoir des choses. C'est sûr, quand vous ne savez jamais rien, il n'y a pas tellement d'orgueil à avoir. Quelqu'un ne va pas s'enorgueillir des 100 000 réponses de Google. Ce n'est pas lui qui dit. Même qui peut vous donner 100 000 réponses à la question, il ne va pas dire je sais, il ne sait rien du tout. C'est le serveur qui lui a donné. Ben ça, c'est normalement la connaissance, c'est comme ça que ça fonctionne. Il y a l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance. On se branche sur l'arbre de vie, et quand maintenant dans la vie, on a besoin de quelque chose, alors la connaissance, elle vient. Mais elle vient toujours par rapport à la vie. C'est complètement absurde de construire une vie sur du savoir. La vie, il faut la construire sur la vie, pas sur le savoir. Comme je le dis tout le temps, on n'apprend pas la médecine pour être médecin. On est médecin et on apprend la médecine parce qu'on est médecin, parce qu'on aime soigner les gens, parce qu'on veut soigner les gens, parce que c'est notre vie de soigner les gens. Alors maintenant, comme je veux soigner les gens, je vais apprendre comment on soigne les gens. Mais ce n'est pas parce que j'apprends à soigner les gens que je vais être médecin. Il y a des médecins, ils ont appris la médecine, mais ce n'est pas des médecins du tout. Pas du tout. Ils n'ont aucun sens de la médecine, rien. Ils ont appris une science, c'est tout. Mais ce n'est pas des médecins. Mais avant d'apprendre la médecine, il faut être médecin. Avant d'apprendre un métier, il faut que vous soyez cette chose-là. Vous n'allez pas devenir, ce n'est pas le métier qui va vous faire devenir. C'est complètement aberrant. Vous comprenez comment quelqu'un il va devenir un métier? Et dit, ouais, toi, tu devrais faire ça. Toi, tu devrais faire modéliste ou un truc. Mais non, pas du tout. Moi, je vais chercher qui je suis d'abord. Quand je vais trouver qui je suis, vous voyez, un des élèves que j'ai, qui vient avec nous à Oshana et tout, c'est un informaticien de haut niveau, il travaille dans plusieurs sociétés et tout. Un jour, il a entendu un cours. Et quand je faisais un cours, je parlais de ça. Il dit, il y a des gens qui sont des pâtissiers, ils aiment faire la pâtisserie. Et lui, ça l'a réveillé quelque chose. Il dit, c'est vrai, j'ai toujours aimé faire de la pâtisserie. Et il a commencé à apprendre à faire de la pâtisserie chez lui. Et maintenant, et il est devenu pâtissier. Et il a laissé tomber l'informatique. Et il est devenu pâtissier. Et il fait des gâteaux extraordinaires, de très professionnels. Parce que c'est un pâtissier. Maintenant, il est tombé dans l'informatique parce qu'on lui a collé ça. On lui a collé ce truc-là. Alors, il est rentré, il a pris l'informatique. Mais ce n'est pas sa vie. Tandis que quand vous êtes pâtissier, vous faites de la pâtisserie, mais vous, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire, vous kiffez toute la journée, vous faites des trucs super, vous cherchez comment jouer, vous mettez tout votre cœur dedans parce que c'est vous, c'est votre truc, c'est tout. Tandis que quand ce n'est pas votre truc, vous attendez que ça finisse pour partir, c'est pas que vous n'avez pas envie de faire ça. Vous n'avez pas envie, vous subissez le travail. Pourquoi subir le travail? Pourquoi? C'est complètement débile. Mais pourquoi on vit comme ça? Parce qu'on a affaire à des morts vivants, des gens qui ne vivent pas. Donc, comme c'est des gens qui ne sont pas vivants, qu'est-ce qu'ils vont faire? Il vaut bien qu'ils passent quelque chose. Donc voilà, on vous dit l'orientation, vous allez passer le conseil d'orientation, il va vous dire, tu devrais voir ce qu'on vous propose, il y a ça, ou il y a ça, ou il y a... Choisis ça, ou ça, ou ça, ou ça. Quelqu'un a envie d'être berger, par exemple. Il a envie d'être berger, c'est tout. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a de... Non, il y a des normes. Et c'est comme ça qu'ils rendent les gens esclaves. Parce qu'une fois que vous avez la personne dans un contexte dénaturé par rapport à ce qu'elle est, où elle perd son identité profonde, mais la personne devient esclave automatiquement. Parce qu'elle n'a aucune vitalité de ça.
Tandis que quand la personne, elle ne fait dans son métier que réaliser ce qu'elle est à l'intérieur d'elle-même, elle est complètement libre. Complètement libre. Le pâtissier, il va travailler dans une pâtisserie, mais si vous le renvoyez, il va quelque part, il prend un petit four, un truc, il fait de la pâtisserie, il vend de la pâtisserie au marché, il va faire n'importe quoi. C'est lui le principal. C'est pas le métier. Tandis que celui qui fait un métier qui correspond pas à lui-même, il est esclave. Parce que si on le met dehors, il va avoir un problème. Parce qu'il peut pas vivre. Il peut pas faire ça tout seul. Tandis que celui qui porte le métier en lui, il est libre. Il peut changer de pays, il peut aller dans un pays où il parle pas la langue et il va faire son métier. Il a pas de problème parce qu'il est en lui le métier. Là où il emmène avec lui. Tandis que les gens qui sont esclaves de système, ils sont obligés de rester accrochés à un système, parce que si jamais ils sortent du système, ils sont perdus complètement, c'est normal. C'est pas eux. C'est comme vous prenez un acteur de cinéma, vous n'allez pas lui dire maintenant qui va vivre ce qu'il fait dans les films. Il va pas vivre ça. Sa vie, c'est autre chose que ça. Il vit et il tourne des films. Mais maintenant, s'il rentre dans le film, s'il rentre trop dans le film, ça va lui détruire sa vie. Il y a même des fois des artistes du cinéma qui sont suicidés. Ils sont tellement rentrés dans des personnages qu'après, ils ne sont plus arrivés à vivre, à revenir vers eux-mêmes. Et combien des transformations et des trucs. J'ai vu hier un article, il a fait du régime, je crois, pendant je ne sais pas combien de mois, combien de kilos il a fallu qu'il perde et tout, pour jouer un rôle. Alors qu'il faut pendant des mois, boire que de l'eau et des trucs pour baisser de 20 kilos, 30 kilos, pour correspondre au personnage qu'il aura joué dans le film, etc. La société, elle nous a rendus fous. C'est pour ça qu'on est c'est pour ça que les gens, ils sont fous. C'est pour ça que les gens, ils n'arrivent pas à se marier. C'est pour ça que les gens, ils n'ont pas de shalom bayit. C'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à éduquer leurs enfants. C'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à réussir dans leur vie. Parce qu'ils ne sont pas eux-mêmes, tout simplement. Comme ils sont des clowns, alors ils se marient avec des clowns. Et tous les deux, ils jouent le rôle de clown. Et ils ont des enfants, ils ne peuvent pas les éduquer parce qu'ils sont des clowns. Comment vous allez éduquer des enfants? Des enfants, il faut les aimer pour les éduquer. C'est la première, c'est numéro un. Si vous n'aimez pas vos enfants, vous ne pouvez pas les éduquer. D'abord, il faut les aimer, ces enfants. Combien de cas, vous voyez, des gens qui ont oublié leurs enfants dans une voiture. Comment quelqu'un peut oublier son enfant dans la voiture? Et mon cher Slicha, je te rappelle plus tard. Mechila, je suis dans le cours. Kol Tov. Comment quelqu'un peut oublier son enfant dans la voiture, aller travailler toute la journée et... Il y a quelque chose qui n'est pas normal. Mais c'est parce que c'est des systèmes, c'est tout. C'est des systèmes. L'enfant correspond à une image dans un système. Le mari représente ça, la femme représente ça. C'est des systèmes, c'est des plans, des plans de fonctionnement. Mais les gens, ils ne sont pas eux-mêmes. Les gens, ils ne sont pas eux-mêmes. C'est pour ça que ça ne marche pas. Parce que normalement, si vous êtes un couple qui avait le même objectif, il n'y a aucune raison que ça ne marche pas. Même si vous avez des midotes comme vous avez, ce n'est pas important. Le principal, c'est que vous êtes tout le temps dans l'objectif. Vous avez le même objectif. Mais si maintenant, vous vous mariez avec des midotes, mais alors quand vous allez voir qu'il y a des mauvaises midotes, qu'est-ce que vous allez faire? Quand la personne ne se comporte pas bien, que quelqu'un elle est fainéante, ou la personne elle est coléreuse, ou la personne elle est gourmande, ou la personne elle est chez radin, ou je ne sais pas quoi. Vous allez pas tenir, pas possible. Parce que vous êtes marié pour un comportement. Mais si vous êtes marié dans un objectif, le comportement on s'arrange toujours. Un peu plus, un peu moins, on s'arrange, on fait avec, c'est tout. Il n'y a pas de problème. Tous les problèmes de mariage, de shalom bayit, d'éducation, c'est parce que les gens ne sont pas eux-mêmes, c'est tout. La société nous a rendu des fous. Maman, des fous. Il faut mamache gourmande, voilà. 30 fois divorcée, remariée, chirurgie esthétique. Oh. Vous comprenez? Baruch HaShem, quand vous venez chez Rabbeinu,
il va vous apprendre à être vous-même, à ne pas avoir peur d'être vous-même. À dire ça, je ne veux pas, c'est tout. Et vous n'avez pas peur. Et ça, je veux. Et vous n'avez pas peur. Parce que vous êtes vous-même. Vous n'avez pas peur d'être vous-même. Personne ne va vous faire peur. Personne ne va vous impressionner. Et devenir vous-même, et vous donne confiance en vous. Par la connexion. Ici, quand on a fait le Mishkan, il n'y a pas une personne qui m'a encouragé ici. Même ma famille, même ma femme et mes enfants, ils n'étaient pas d'accord. Il n'y a personne qui était d'accord avec moi. Mais moi, j'étais sûr que c'est ça que je devais faire. Aucun doute sur ça. Et il y a eu des guerres et des rabbins qui m'ont dit arrêtez, ne faites pas. Voilà, maintenant, la semaine dernière, l'un des rabbins qui a signé des trucs, maintenant, il a regretté, il a signé le contraire, ils m'ont envoyé une lettre, ils m'ont dit voilà, il regrette ce qu'il a écrit, comment il s'est laissé avoir, etc. Il ne savait pas ce que c'était, etc. Alors imaginez-vous maintenant, c'est quelqu'un, il vous dit de ne pas faire quelque chose. Et cette chose-là, en fait, c'est votre vie. Et il s'est trompé. Mais comme c'est un influenceur, quelqu'un d'important, il est arrivé à vous convaincre de ne pas faire quelque chose ou de faire quelque chose qui n'est pas votre vie. Comment après, quelle responsabilité elle prend la personne? Imaginez-vous, ce rave-là, c'est un grand rave qui m'a dit, ne fais pas ça, il faut arrêter tout de suite, etc. Maintenant, il a changé d'avis. Mais si j'avais écouté que je n'avais pas fait ça, avec toutes les conséquences, toutes les âmes qui viennent ici, tous les Rosh Hashanah, tous les tikkunim qu'il y a ici, tout ce qui se fait ici, tout ça, il va l'empêcher. Et vous-même, vous empêchez d'exister. Parce que si vous ne faites pas votre plan, vous n'allez pas exister. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire? Ce que vous aimez, ce que vous avez envie de faire dans votre vie, ce qui vous fait kiffer la vie, ce qui vous plaît, vous ne le faites pas. Mais qu'est-ce que vous allez faire alors? Vous allez vous ennuyer à faire un boulot, parce que bon, il faut parler à ça, vous allez trouver un boulot, vous allez faire un boulot, un truc. Vous êtes frustré, vous n'êtes pas bien dans votre travail. Quand vous n'êtes pas bien au travail, pas bien à la maison, vous n'êtes pas à votre place, c'est tout. Pas à votre place. Comment des gens peuvent décourager les autres en leur disant « Non, ça, c'est pas pour toi. T'es fou, tu vas te lancer un truc. » Mais t'es fou. T'es fou. Même quelqu'un qui nous a beaucoup aidé pour aussi, quand j'ai été le voir, il m'a regardé comme ça. Et j'ai vu qu'il s'est rendu compte qu'en fait, mon projet, c'était quelque chose de complètement fou. Mais il a vu que je croyais vraiment à mon projet. Donc, il a pas voulu me dire quoi que ce soit. Il m'a dit, Bézat Hachem, qu'il faut que Dieu vous aide beaucoup pour vous réussir, c'est votre projet, etc. C'est l'allusion qu'il m'a faite pour me dire, pour arriver à faire ça, il va falloir beaucoup de miracles, parce que c'est pas... Lui, c'est des milliardaires, des gens, des investisseurs, ils savent comment ça fonctionne de construire un immeuble. Maintenant, tu viens, tu n'as rien du tout, tu n'as pas de quoi acheter un robinet, tu veux faire un immeuble. Dans le monde, tu es fou. Dans le monde, tu es fou. Et c'est comme ça qu'en fait, c'est comme ça qu'on tue les gens. C'est-à-dire, on les empêche d'être ce qu'ils sont. Laisse les gens vivre. Laisse les gens vivre. Tu veux que ton enfant il soit chirurgien ou il soit dentiste. Et lui, il a envie d'être, je ne sais pas, clarinettiste, ou il a envie de faire des sacs de voyage, ou il a envie de faire des salades. Je ne sais pas ce qu'il a envie. Il fait ce qu'il a envie. Pourquoi pas laisser les gens faire ce qu'ils ont envie? Pourquoi il y a des normes de ce qui s'appelle la réussite dans ce monde? La réussite, c'est d'être soi-même, c'est tout. Si vous êtes à votre place, vous allez être joyeux, vous allez être bien, vous n'allez pas faire de bêtises,
vous allez embêter personne, vous allez envier personne. Vous allez être bien dans votre peau. Quand vous n'êtes pas à votre place, alors ça y est, tout devient un monde de fous. Oui, quelques millions, bien sûr. Le Mishkan, c'est un projet de minimum de 6 millions d'euros. Maintenant, si vous me dites comment ils sont arrivés ici, j'ai aucune idée. Est-il possible de faire un pidyon nefesh arié, bien Rachel Yosef, ben Rachel Nechama, ben Rachel Shlomo, ben Rachel Bat Naomi? Oui, c'est possible, arié tord demain. Tu as mon téléphone, je crois. Envoie-moi dans le WhatsApp. Attends, je vais voir si je peux copier ton texte et le mettre dans mon WhatsApp. Voilà. C'est bon. Je vais copier les noms. Bezrat Hashem. Vous dites que je suis votre rabbin préféré, que vous comprenez plus ce monde. Moi, je ne suis pas un rabbin, et vous savez. Mais vous, si vous comprenez plus ce monde, alors vous êtes bienvenus ici. Parce qu'ici, on est tous dans le même cas. On n'a rien compris à ce monde et je ne crois pas qu'on comprendra, même pas la veille du jour où on va partir. Mais il se passe des choses on vit des choses extraordinaires. Voilà, cette nuit, on a parlé de tous les... On a parlé de la mort, du deuil, comment qu'on ne pas trop s'endeuiller, pour justement permettre à la personne de rester ici. Que si on s'endeuille trop, alors au contraire, on rejette la personne, elle s'éloigne. Alors que si on a une période de deuil, la Torah dit 3 jours de pleurs, après, il faut commencer la consolation, accepter la consolation. Et cette consolation, elle permet à l'âme, en fait, de rester avec nous, de rester en contact avec nous dans ce monde. Et il y a une personne qui a écouté le cours, qui a eu un enfant, une fille à elle, Hachem Ishmon, qui est décédée il y a longtemps. Et après le cours, elle a rêvé d'elle, de sa fille. 4 fois, elle a fait le même rêve où elle l'a vu sur le tzion de Rabbeinu en train de faire le tikkun haklali. 4 fois le même rêve, une fois après l'autre. Elle a compris que Baruch Hashem, son âme, elle est chez Rabbeinu, que Rabbeinu s'occupe d'elle, etc. Voyons, nous, on fait des cours, on dit des choses, mais nous-mêmes, on ne sait même pas ce qu'on fait. On ne sait même pas ce qu'on fait. On est juste dans des morceaux de tuyaux. On colle un morceau de tuyau à un autre, et le flux y passe, c'est tout. Mais nous-mêmes, on ne maîtrise pas du tout ce qu'on fait. Donc ça, si vous voulez, ce que je vous dis là, sont les bases de Breslev. Il faut que vous sachiez ça si vous voulez réussir votre vie. Si vous voulez réussir votre vie, être tranquille, que le soir, quand vous posez votre tête sur l'oreiller, vous êtes bien, vous êtes satisfait de votre vie. Vous avez fait ce que vous devez faire, ce que vous aimez faire. Quand vous donnez dans ce que vous aimez, dans ce que vous voulez, pas des trucs tout le temps. Ah, il faut faire ça, mais j'ai pas envie de faire ça, j'ai pas envie de faire l'autre. Même si on fait des efforts, on peut faire beaucoup d'efforts, mais faire des efforts dans ce qu'on aime, c'est pas comme se forcer à faire des choses qu'on n'aime pas, ça n'a rien à voir. Se forcer à faire des choses qu'on n'aime pas, c'est très désagréable. Ça ne réalise pas une vie, mais faire des efforts au contraire. Quand on aime, on fait des efforts, il n'y a pas de problème, parce qu'on aime. Mais ça, il faut un maître comme Rabbi Nachman qui vous connaisse. Sinon, les gens ils vont rencontrer n'importe quoi. Ils vont dire, toi, tu es fait pour ça, tu as toujours été comme ça, mais personne ne vous connaît. Personne ne vous connaît. Personne ne sait ce que vous ressentez. Il n'y a pas de thermomètre, il n'y a pas de truc pour savoir ce que vous ressentez. Quand quelqu'un dit « j'aime cette musique », vous ne savez pas ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire « j'aime cette musique » Qu'est-ce que tu sens? On ne sait pas ce que ça veut dire. On n'a pas de moyens de mesure de ces choses-là. Donc, il faut quelqu'un qui vous connaisse depuis très, très, très longtemps.
et qui sache exactement qu'est-ce que vous êtes venu faire. Et à ce moment-là, vous êtes tranquille. Rav, mettez une pièce en mon nom à la Tzedaka, chez Rabbi Nachman, c'est fait qu'il puisse venir m'aider pour me dire qui je suis, ce que je dois faire. Pas de problème, Johnny. Mais Zratachem, je l'ai noté, tu m'as dit hier, je l'ai noté. C'est une guerre interdimensionnelle, pleine de messages divins la nuit. Il me réveille à 3h du matin toutes les nuits. Ouais, tu sais. Mais Eric Zenou, juste une kala, ça va changer les choses. Toi, tu crois dans ta tête que ça va changer les choses. Toi, dans ta tête, tu crois que tu vas trouver une femme et ça y est, voilà. C'est pas comme ça la vie, mon ami. C'est pas comme ça la vie. Il faut que tu saches que c'est beaucoup plus dur d'être marié que d'être seul. Il faut que tu saches ça. Si tu t'en sors pas tout seul, tu vas t'en sortir encore moins marié. Même qu'on est à deux, c'est beaucoup plus difficile la vie mariée. Bien sûr, quand on fait les efforts qu'il faut, qu'on fait ce qu'il faut, les résultats ils sont extraordinaires. Mais ne croyez pas que c'est une facilité. Ça viendra. Quand tu seras prêt, c'est tout. Toi, tu occupes-toi de ce que tu dois t'occuper et avance, c'est tout. Je comprends, Eric, tu as 50 ans, c'est dur de vivre seul, mais sache qu'il y a des gens qui ont essayé de vivre à deux et ils se sont retrouvés seuls après parce qu'ils ne pouvaient pas. Donc ne crois pas. Il faut prier, avancer, faire les conseils de Rabbi Nachman et tout va venir en son temps. C'est tout. Tout va venir en son temps. Même les enfants, Rabbi Nachman, il a dit une fois à quelqu'un qui dit « Les enfants, je dois avoir des enfants. » Rabbi Nachman, il dit « Ok, y a, chaque action que tu fais de bien, c'est un enfant que tu fais. Chaque chose de bien, c'est un enfant. Chaque mitzvah que tu fais, c'est un enfant. » Il faut rester joyeux et confiant. Il ne faut pas se plaindre tout le temps. On ne peut pas se plaindre tout le temps. Il faut avoir la émouna que quand ça vient, ça prend une minute de trouver le conjoint et de se marier et d'avancer. C'est comme ça. Il ne faut pas se plaindre. Alors, Rabbeinu l'a dit, Amar Kol Mishi Tzave. Yetzayet oti, tout celui qui m'écoutera, veikayen kolma she'ani metzave, et qui fera tout ce que je lui dis de faire. Bevada yetzadik gadol, c'est sûr qu'il sera un grand tzadik. Yé mashiyé, peu importe ce qui se passe avec lui. Baikar le ashlir sechel atzmo le gamre. Le principal, c'est de jeter son cerveau complètement, jeter sa logique complètement. Rak kasher yomar uikayem à quelques mamao. Que ce que Rabbi Nachman nous dit de faire, il faut le faire, c'est tout. Pas mettre son grain de sel, commencer à dire. Quelqu'un m'a appelé aujourd'hui aussi. Ah, je ne sais pas si je vais venir à Rosh Hashanah parce que des problèmes, j'ai eu des problèmes de Parnassa cette année. Rabbi Nachman, il n'a pas dit tu viens quand il n'y a pas de problème de Parnassa. Rabbi Nachman, il a dit, tu viens à Rosh Hashanah. C'est tout. Ça y est. Ouman Rosh Hashanah. Olé à la colle. Au-dessus de tout. C'est tout. Fais-lui confiance plus que ce que toi, tu vois dans ton intelligence artificielle qui est basée sur de l'analytique imaginaire. Laisse tomber tes compréhensions. Jette-les à la poubelle. Il sait mieux que toi ce qu'il fait. Et s'il te dit de venir, c'est parce qu'il va t'aider. Il va te donner des choses extraordinaires pour toi et le monde entier aussi. C'est une responsabilité pour le monde entier. Rabbeinu l'a dit, mon Rosh Hashanah, le monde entier en a besoin. C'est pas rien que vous. Donc c'est une responsabilité pour le monde entier. Pourtant, les mots, ils sont simples. Rabbeinu Nachman, il a dit des choses simples. Il n'a pas dit des choses qu'il n'a pas besoin de sortir de Saint-Cyr pour comprendre ce qu'il a dit. C'est très simple ce qu'il a dit de faire. Tu parles avec Dieu tous les jours. Tu fais Simra, tu viens à Ouman Aushana, tu fais Tikkun Akhlali. C'est des choses simples qu'il a dit. Ce n'est pas compliqué ce qu'il a dit de faire. Mais les gens, ils ont leur intelligence artificielle qui tourne avec
les artifices de leur vie. Il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Il faut avoir des repères immuables dans sa vie. Et le reste, après, c'est secondaire. Il faut avoir des repères immuables. Parce que sinon, on ne s'en sort pas. Si on fait bouger tout en même temps, on ne va jamais s'en sortir. Il faut qu'il y ait des repères immuables. Ça, ça ne bouge pas. Ça, ça ne bouge pas. Ça, ça ne bouge pas. Ça bouge. Après, on y va, c'est tout. On avance. Après, on a envie de faire ça, ça, pas de problème. Mais il y a des repères, des choses qui sont immuables, il faut le respecter. Rabbi Fram était une pièce sur Rabbeinu, pour moi aussi, Philippe Ben Marguerite, il faut que je sois bien dirigé. Amen, amen. Il faut que j'en emmène des pièces alors, Philippe. Razak, Razak, pas de problème. Je le note. Voilà, c'est noté, c'est bon. Eric Zenou, une femme et des enfants, c'est sûr que c'est génial. Mais il faut être capable de monter sur l'Himalaya. C'est génial aussi. Il faut être capable. Bon là, ils ont trouvé 5 alpinistes ce matin qui sont morts. Ils sont morts de fatigue. Ils ne sont pas arrivés à revenir. Ces alpinistes, ils avaient un beau projet. Ils sont morts. Ne crois pas que Hachem, il est miséricordieux. Hachem, il veut que tu te maries beaucoup plus que ce que toi, tu veux te marier. Mais seulement, il veut que tu réussisses ta vie, que tu sois un vrai mariage de réussite, de joie, de construction. On avance ensemble. Et à ce moment-là, Rabbeinu l'a dit, un peuple idiot et pas intelligent. C'est-à-dire, quand on est arrivé à Matan Torah, on n'a pas commencé à faire les malins. Ce qu'on nous a dit, on dit d'accord, c'est tout. D'accord, vous allez faire ça, d'accord. D'accord, d'accord. Na'aseh v'nishma, d'accord, on va faire. Comme voir bien sûr les coups de l'instant, c'est sûr que celui qui peut étudier beaucoup et sentir la profondeur de ce que Rabbeinu dit, c'est sûr que ça va l'aider beaucoup plus. Mais tout simplement de faire les conseils basiques et d'attendre tranquillement parce qu'on s'occupe de nous. Les rébés, ils s'occupent de chacun et de chacune. Il faut pas se précipiter. Rajouter en quelques pièces pour tous ceux qui viennent d'Israël, Rabbeinu, aide-nous à venir chez toi facilement. Amen, amen, Aaron, amen. Amen. Bezat Hashem, on va faire le pidyon du Tikkun HaKlali cette nuit pour tous ceux qui vont voyager. Parce que maintenant, ils ne veulent pas le laisser passer par la Moldavie. Ça aussi, c'est Rabbeinu qui fait. C'est des tikkunim que Rabbeinu fait. Oui, vous voyez ce que vous dites. Il y a des gens, ils ont voulu croire, ils vont se marier, ils vont avoir des enfants, et c'est super. Et une fois qu'ils se sont trouvés mariés avec des enfants, ben c'était pas super du tout. Il y en a même qui ont divorcé parce qu'ils disaient c'était pas super du tout. Un jeune que j'ai connu qui vient au Mans aussi, eh ben, il s'est marié, jeune, à 18 ans, 19 ans. Et il a une petite fille et tout, et un an après, il a divorcé. Il a dit, je ne croyais pas que c'était ça, le mariage. Je me suis trompé, je ne savais pas. Alors, les gens, ils pensent, il faut être prêt, chaque chose, il faut être prêt. Ce n'est pas évident. Il faut que ça marche, il faut se réaliser. Et les gens, ils vous mettent de la pression. Tous les gens, ils vous disent, alors, tu n'es pas marié encore? Alors, tu n'es pas... Alors, les gens, ils vous mettent de la pression. Mais il faut être mûr. Rabbeinu dit, c'est interdit de manger des fruits qui ne sont pas mûrs. Rabbeinu dit, c'est très grave, il ne faut pas manger des fruits qui ne sont pas mûrs. Parce que c'est dangereux, chas de shalom, quelqu'un peut mourir en mangeant des fruits pas mûrs. Parce que le fruit... Comme il se nourrit de l'arbre, quand on l'enlève et de l'arbre alors qu'il n'a pas fini de se nourrir et qu'on le mange, il se nourrit de la personne elle-même.
de l'âme de la personne. Et Chas v'Shalom, personne ne peut mourir. Donc ça, c'est la même chose. Quelqu'un, il veut un projet, il veut ça, d'accord ? Mais maintenant, une fois qu'il a ce qu'il voulait avoir, mais qu'il n'est pas capable de le vivre comme il faut, il va s'auto-détruire lui-même, parce qu'il est obligé maintenant de fournir les énergies qu'il faut pour vivre quelque chose qu'il n'a pas envie de vivre, qu'il ne peut pas vivre. Mais comme il est bloqué, il ne peut pas faire autrement. Donc il va utiliser toutes ses énergies juste pour pouvoir assumer quelque chose qu'il n'a pas envie, en fin de compte. Parce qu'il n'est pas prêt, tout simplement. C'est bien beau de dire, il faut faire ça, il faut monter en Israël, il faut se marier, il faut faire... Mais il faut être capable de le vivre. Il faut être capable de vivre en Israël. C'est extraordinaire, Israël, mais il faut que tu continues à le dire une fois que tu vas être là-bas. Pas que tu commences à maudire tous les gens, les chauffeurs de taxi, les chauffeurs de bus, et celui qui est passé devant toi à la macolette, et pourquoi le gouvernement ne fait pas ça, et pourquoi ma maison, je ne peux plus habiter là-bas. Attendez, c'est une vie extraordinaire, mais il faut que ça soit extraordinaire. Il faut que ça reste comme ça. Il ne faut pas que ça soit un plan imaginaire. Il faut que quand on est là-bas, on est capable d'assumer la chose. Être en Eretz Israël, vivre en Eretz Israël, c'est extraordinaire. C'est l'endroit le plus extraordinaire du monde, ou le plus bénéfique pour le corps, pour l'âme, pour tout. Mais il faut être capable de vivre ça. Donc, quel est le conseil? Le conseil, c'est que vous priez, vous êtes patient. Tout va venir vers vous. Tout va venir vers vous. Tout, absolument tout. Soyez patient, c'est tout. Ne prenez pas des choses, ne vous précipitez pas, parce que ça coûte cher. Ça s'appelle le vol à l'étalage. Pourquoi tu fais du vol à l'étalage? Passe à la caisse, ne fais pas du vol à l'étalage. Fais la queue comme tout le monde, passe à la caisse, paye et prends ce qui te revient. Pas du vol à l'étalage. J'ai envie. Ok, on a tous envie de beaucoup de choses. Attends, prie et attends. Prie, attends. Allume une bougie pour Rabbi Nachman, dis-lui de t'aider. Dis, voilà. Je voudrais ça, je voudrais fonder un foyer, je voudrais ça, je voudrais monter en Israël, je voudrais faire ça. J'étais l'an dernier avec le Rav Cohen, c'était l'an dernier, mois de février, c'est l'année dernière. Enfin, pas le dernier février, celui d'avant. Eh bien, on était à côté de Bordeaux, là, dans, comment s'appelle ce port-là, pas loin de Bordeaux. Arcachon. Où ça? Arcachon. Non, pas Arcachon. Un truc connu. On a fait un cours là-bas. J'ai oublié. C'est très connu, il faut que je me rappelle le nom. J'ai rencontré là-bas une dame, elle est venue au cours. Une Israélienne, mais Israélienne, pas une franco-israélienne. Une Israélienne, elle parle le français comme un Israélien qui apprend le français. Elle m'a dit, voilà, j'ai réalisé ici le rêve de ma vie. J'ai fait une école juive ici, dans cette ville-là. Une ville paumée comme ça, où il n'y a pas d'été. Eh bien voilà, son rêve, elle l'a réalisé. Elle est venue d'Israël, habiter dans cette ville, et elle a fait une école juive. Elle a des enfants qui sont à l'école, des trucs. Voilà, elle a fait son rêve. Elle ne savait pas que c'était ça son... Voilà, elle avait ça en tête. Voilà, maintenant, elle a pu le réaliser. Pas Libourne, pas loin de Libourne. La Rochelle, voilà, Khazak, Vincent, Khazak. La Rochelle. La Rochelle, ben voilà, vous allez imaginer qu'une Israélienne, elle va s'installer à La Rochelle pour faire une école juive, c'est loin de l'imagination, mais voilà, il faut avancer, vous priez, vous avancez, c'est tout, mais laissez les choses venir vers vous, ne prenez pas, parce que quand on prend, ça coûte très cher. Vous comprenez que quand vous prenez quelque chose, si vous n'êtes pas mûr, même si cette chose-là, elle devait vous venir dans un mois, dans 6 mois, dans 1 an. Mais le fait que maintenant, vous le prenez et vous n'êtes pas mûr, l'approche que vous allez avoir de la chose, ça ne va pas être la bonne.
Vous n'allez pas apprécier la chose comme vous deviez l'apprécier. Donc, le départ, il n'est pas comme il faut. Parce que vous ne savez pas, ce n'est pas ça que vous avez envie. Alors que vous attendiez un mois ou trois mois, vous aurez été mûr et les choses seraient passées vraiment de façon extraordinaire. Rabbeinu dit, même dans les objets, c'est comme ça. Il dit, des fois, quelqu'un, il a envie d'acheter, une salle à manger ou un truc. Il l'achète. Et maintenant, après, il a des problèmes financiers et tout ça. Il peut pas, il va la vendre, cette salle à manger. Et quelque temps après, il va la racheter. Alors, Rabbeinu, il explique que maintenant, quand il a acheté la salle à manger, en fait, il avait les yeux plus gros que le ventre. C'est-à-dire que la lumière, parce que acheter une salle à manger, c'est une lumière. Une maison, c'est une lumière, c'est de l'énergie. Donc, quand il a acheté cette salle à manger, lui, dans son imagination, il voulait ça. Mais seulement, il n'a pas prié, il n'a pas été patient, il a acheté, il a pris. Maintenant qu'il l'a pris, c'est trop fort pour lui. Donc, il est obligé de la revendre. Et maintenant, il va se passer un certain temps. Elle va revenir chez lui, la salle à manger. Rabbeinu l'explique ça même pour des objets comme ça. Il ne parle même pas d'une maison, il parle juste d'un meuble. Même un meuble, c'est comme ça, pour vous dire. Alors, à plus forte raison, des choses qui sont tellement importantes dans notre vie. Tu faut tout baigner avec de la prière et de la patience. Ah, l'autre, il a fait ça, l'autre. T'occupe pas ce qu'il a fait l'autre. T'occupe pas. Regarde pas les autres. Il n'y a personne. On n'est pas ici dans un match. On n'est pas aux Jeux Olympiques. Chacun, il fait sa vie, c'est tout. Mais ce qui est important, c'est d'être à votre place. C'est ça qui est important. C'est que ce que vous vivez, vous avez envie de le vivre. C'est le plus important. Vous êtes en accord avec vous-même. Ce que vous vivez, c'est en plein accord. Même si vous ramez et tout, ce n'est pas grave. Mais c'est ça que vous voulez vivre. Ça, c'est fondamental. Mais ça, il n'y a que lui qui peut vous donner ça. Personne au monde peut vous donner la confiance en vous et les moyens pour réaliser vos rêves qui peuvent être des rêves qui sont au-dessus complètement de vos moyens que vous avez aujourd'hui. Vous ne pouvez même pas imaginer que vous allez arriver à ça. Et vous arrivez, et vous le faites, et vous arrivez, parce que c'est vous. Au Mishkan, les gens, ils amenaient à Moshe Rabbeinu les choses. Et Moshe Rabbeinu, il plaçait chaque chose que les gens avaient amené. C'est lui qui mettait tout, qui gérait tout, le Mishkan. Les gens, eux, ils amenaient ce qu'ils avaient. Et lui, après, il gérait ça. Pardon. Merci. Donc voilà les amis, on a fait un peu plus long, 12 minutes. Donc on peut parler dans ce monde. Mais tu peux construire un immeuble, Eric, tu peux construire même une ville entière. Tu peux construire. Celui qui a construit Las Vegas, c'était un juif. Tu vois, toute la ville de Las Vegas, c'était dans le désert. C'était dans le désert. Personne ne voulait le croire qu'il allait faire une ville qui allait être très, très spéciale. Personne. Il a été chez tous les investisseurs. Personne ne voulait investir dans Las Vegas. Personne. Jusqu'à qu'il a emprunté l'argent à la mafia, au marché comme ça. Et il a construit, il a fait le projet de Las Vegas. Et seulement, il n'a pas démarré au bon moment. Il a démarré quand c'était les fêtes de fin d'année des Bohèmes et tout. En Amérique, ils ne sortent pas tellement, etc. Donc maintenant, quand ils sont venus, quand il a lancé le projet, alors ils sont venus, la mafia, lui demander non, qu'il rembourse et tout. Il ne pouvait pas, ça n'avait pas démarré, comme il pensait. Ils l'ont tué, ils l'ont assassiné. Mais ils l'ont assassiné. Un mois après, ça a démarré. Las Vegas. Et c'est devenu Las Vegas. C'était la folie d'un juif, c'est tout. Las Vegas. Dans le désert, il a voulu faire ça. Et ça a marché. Il était sûr de lui, de son projet. Il n'y a pas de quelqu'un, il ne peut pas faire ça. Quelqu'un, il peut tout faire. Les moyens, c'est jamais un problème. C'est jamais un problème. Le problème, c'est
Est-ce que c'est ça que tu dois faire? Si c'est ça que tu dois faire, les moyens, tu vas les avoir. C'est pas un problème. Fais ce que tu as à faire. Et tu vas voir que les moyens vont venir. Il n'y a aucun problème. Shmirat Alashon, oui, pas de problème. Là, vous avez insisté aujourd'hui, ça veut dire qu'il faut y aller. Alors, attendez, je cherche les Alachot, notre cher ami qui nous envoie tous les jours les Alachot, qui ne se décourage pas. Non. Doran Benita Razak. Si une personne s'apprête à médire, il faut lui demander si le sujet nous concerne ou si nous pouvons avoir une influence sur la personne visée. Il est interdit de croire formellement les propos médisants, mais on pourra prendre ses dispositions pour éviter un préjudice. Dans certains cas, il est recommandé d'écouter le Lashon Hara afin de disculper la victime auprès de celui qui la dénigre et interpréter les médisances qu'il profère à son mérite. Par exemple, si l'on souhaite apaiser notre interlocuteur et l'empêcher de propager sa médisance. Voilà, de Halakhot du Chafetz Chaim, Zchuto Yegen Aleinu. Alors, Bezrat Hashem, on se retrouve tout à l'heure à 2h pour le Tikkun HaKlali. Et à 4h30 pour le cours de Corvéor. Merci d'être là, les amis. On est là, on est 120 à l'écran. Et ici, on a une dizaine. Baruch HaShem, on a toutes ces merveilleuses âmes qui sont venues chez Rabbeinu. Cette jeunesse promettante, la jeunesse, ça, c'est pas méchant long, ça, c'est pas le méchant long avec les projets politiques. Est-ce que j'ai imprimé le guide? Pas encore. L'imprimage des méniotes, terrible pour le mettre en page. Mais de toute façon, l'imprimeur, il ne peut pas avant le 17. Mais attention, pour imprimer le guide de Rosh Hashanah. Vous avez voyagé à Vegas? Et oui, je connais des gens. Il y a des Breslev qui vont à Las Vegas. Ils font des salons là-bas, des salons de commerciaux. Amen, amen. Merci de prier parce que vraiment, je n'arrive pas à trouver le temps. J'emmène l'ordinateur, j'ouvre l'ordinateur, ça commence les journées vraiment chargées. אשרנו מה טוב חלקנו ומנעים גורלנו אשרנו מה טוב חלקנו ומנעים גורלנו אשרנו מה טוב חלקנו ומנעים גורלנו אשרנו מה טוב חלקנו ומנעים גורלנו